Vidéo numéro 3. Alors, voici la butte allemande avant que je mette la terre. Donc, c'est haut, hein? Moi, je voulais la faire le plus bas possible. C'est quand même, elle m'arrête quand même à peu près au genou. Donc, bon, c'est pas bien ben haut, ben, je suis pas grande, mais c'est pas grave. Je pense quand même qu'avec la neige, ça va redescendre un tout petit peu. Là, je vais rajouter un peu de terre par-dessus ça. Assez de terre pour être capable de planter, évidemment, l'été prochain. Alors, j'ai finalisé, dans le fond, avec des petites branches et du feuillage, du gazon. Il me restait des graminées que j'avais ramassées l'année dernière pour faire des décos hivernales. De la paille. Mon voisin m'a donné son gazon. J'avais de la fougère que j'avais coupée, donc j'ai tout rajouté ça par-dessus. Donc, ça fait plein de verres. Puis, comme je disais, j'ai triché, j'en ai mis au centre un petit peu aussi pour nourrir tout en totalité, dans l'objectif que toute cette zone-là devienne une belle zone pleine de nourriture, un de ces quatre. Fait que, prochaine étape, je vais mettre de la terre par-dessus ça. Et là, je suis en réflexion, parce que moi, je travaille avec le vermicompost. Donc, je suis en réflexion si je mets vermicompost et paillis ou vermicompost et paille. Ça pourrait être bon, du paillis quand même. En tout cas, j'ai une semaine, puisque je veux commander ça la semaine prochaine. À suivre!